Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing à Grady. C'est parti! Donc, j'essaie de ne pas parler trop fort parce qu'il y a bébé Léo qui dort pas trop loin. C'est quoi ça? Du coup, si vous ne connaissez pas Agrady, c'est un site qui vend des produits pour chevaux, pour cavaliers, pour animaux domestiques, pour jardins et tout ça. Et c'est un site que j'ai connu via Rêve Compulsif. Et le truc, c'est qu'il y a des marques que je ne trouve pas dans tout, enfin dans des autres magasins. Si vous entendez des petits bruits, c'est Léo qui n'a pas envie de dormir. Et là, en l'occurrence, je voulais tester une marque que je ne connaissais pas avant. Et c'est donc Magic Brush. Cette brosse-là. Donc, j'en avais pas encore. Et en fait, le problème, c'est qu'à Decathlon ou dans les autres magasins, généralement, elles se vendent par 3. Sauf que, bah, 3, on n'en a pas forcément besoin de 3. Et du coup, j'en ai acheté une bleue, forcément, parce que moi, il y a beaucoup de choses bleues dans mes affaires. Donc, je vais tester ça. Et on verra si vraiment ça c'est un truc de ouf. Donc sur le site a été à 5,99€. Du coup le deuxième article que j'ai pris, j'avais besoin d'un nouveau lustrant. Donc par contre niveau plastique, je suis pas trop fan parce qu'il y en a beaucoup. Mais vu que c'est des produits liquides, je pense que c'est pour ça qu'ils les emballent tout. Donc j'ai pris ça et en fait... Rien que de... J'ai même pas fait de spray et ça sent super bon. Donc j'avais besoin d'un lustrant et là, du coup, j'ai pris ça. C'est le nouveau et c'est le fruit passion. Donc c'est ça, ouais. Premium fruit explosion, pardon. Il est à 8,99€ et il sent, mais alors, super bon. Je vais une fois l'ouvrir. Oh ouais. Ça sent super bon. Il y a un petit peu de produit chimique derrière, mais... On sent les fruits quand même. Donc je vais tester ça. J'ai vraiment hâte de tester. Ça paraît vraiment bien. Parce que j'avais pris celui de chez Kramer. Il fonctionne bien, mais le problème c'est que je trouve qu'il assèche un peu. Du coup, on verra ça. Alors le troisième article que j'ai pris, c'est... Où est-ce qu'il est ? Il est là. C'est de l'huile pour cuire. Donc moi j'ai les produits simples de chez Decathlon. Et voilà, je voulais tester ça pour ma selle qui a vraiment besoin d'être bien huilée et tout ça. Il n'y a pas d'odeur. Donc c'est huile pour cuire premium et il est à 7,49€ sur le site. Bon, je pense que ça a l'air pas mal. C'est premium et c'est à l'huile de macadamia. Donc, je vais tester ça. Augmente sa durée de vie. Oui, bah ça, c'est un peu comme tout ce... Comme tout... Tout produit. Ensuite, j'ai pris de l'huile pour sabot parce que j'en ai presque plus. J'avais aussi pris de la marque... de chez Decathlon, de la marque simple, donc je voulais tester. Il est à 12,99€ sur le site. Et heureusement que c'est emballé parce que je vois que c'est un petit peu coulé quand même. Ah, oh, Ouna, j'ai mon chien qui sent forcément. Alors, j'ai un peu essuyé parce que c'est un petit peu coulé. Du coup, ça se présente comme ça. Et à mon avis, le pinceau. Ah ouais! Ça sent rien. Par contre, c'est hyper liquide. Hein. Faut y aller mollo. Hein. Faut y aller très très mollo. Alors, un autre article que j'ai pris, c'est du shampoing. Et c'est du shampoing aux protéines de blé. Je sais que moi, parfois, j'ai ça aussi pour mes cheveux. Et ça fonctionne assez bien. Et vu que Kali en a un poil assez dégueulasse. Et des crins aussi vraiment très rêches. Et du coup, je pense que là, on a de quoi faire. Hein.
Donc voilà, ça se présente comme ça. Et alors, je vais sentir un coup. Ah, ça sent bon. Ça sent. Je sais pas, ça sent super bon. Ça sent, on dirait, le produit un peu bébé. Ça sent super, super bon. J'ai trop hâte qu'il fasse beau, n'est-ce pas? Parce que là, le temps en Belgique, je sais pas si vous, mais le temps en Belgique, il est vraiment pourri. C'est de la flotte toute la journée. Alors, et du coup, celui-là, il était à 9,49 €. Je trouve que franchement, pour les produits, le prix, c'est pas hyper cher. Donc, à voir la qualité après, hein, forcément. Du coup, le dernier produit de cette marque, j'ai pris du savon pour cuir. Parce qu'avant de mettre l'huile, forcément, ils préconisent toujours de nettoyer. Hein, je ne vous apprends rien du tout. Et vu que mon savon commence un peu à avoir de l'âge, et je pense qu'il a pris un peu. Enfin, il a une drôle de couleur. Hein, donc voilà. Alors, si j'arrive à partir. Vous voyez au niveau plastique. Donc ça se présente comme ça. Et alors, à l'intérieur. Ouais, ça, par contre, il n'y a pas de d'éponge dedans. Ça, c'est un peu la merde. Mais bon, il faudra trouver une petite éponge que je puisse laisser dedans. Du coup, ça se présente comme ça. Et ça sent le même que Decat, je trouve. Ouais, c'est pas. Ça a une odeur neutre. Du coup. Et il y a beaucoup. C'est beaucoup avec de l'huile de coco, de l'huile de macadamia. C'est. Ouais, je pense que ça a l'air pas mal. Et du coup, celui-là, il est à 9,99 € sur le site. Ensuite, pour finir, c'est pas de la marque Magic Brush, parce qu'il y a encore plein de produits. Hein, mais bon, je me suis dit, Louise, écoute, on va arrêter là, n'est-ce pas? Je pense qu'on peut déjà tester ça. Et après, les prochains, j'ai pris. Bien emballé, hein. Même mon chien y a peur. J'ai pris deux liquides comme ceci parce que vu que j'avais reçu le cadeau liquide, j'en avais toujours pas acheté. Et en fait, ça sent super bon. J'avais pas pris ces goûts-là. Là, j'ai pris banane et j'ai pris miel et camomille. Donc niveau emballage, les gars, ça y va, hein. Ouais. Ah, ça sent vraiment bon. Donc voilà, je vais tester. Je sais que les liquides, il y en a beaucoup qui disent oui, c'est assez sucré. C'est hyper rare que j'en achète parce que c'est quand même 5,95 €. Je trouve ça assez cher quand même pour un truc qui va durer un jour. Clairement, ça dure un jour. Je pense que Kali, même quand elle a des grains et même quand elle a du foin, elle mange ça. Et ça dure pas longtemps. Et du coup, je trouve que 5,95 €, c'est un peu cher. Voilà. J'ai pas encore testé le granola, par contre ils ont pas sur le site et j'aimerais bien tester. Du coup je crois que je vais en acheter sur un autre site. Là par contre c'est bien sur un gradient en fait parce que chez moi ça met 2 ou 3 jours. 2 jours. Là ça a duré un peu plus longtemps parce que j'ai pas vu mais il y avait un des articles, je ne sais pas lequel, qui était en rupture de stock. Oui mon chat! Faites un unboxing avec un bébé de 3 mois. C'est génial! Qui ne veut pas dormir? Donc je disais, là ça a mis une semaine, donc c'était un peu plus long parce que il y avait un article qui n'était pas disponible et j'avais pas fait gaffe, sinon je l'aurais pas pris. Et je pense que c'est tout. Là ils ont mis un truc, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Là, ils ont mis les petits livrets hein, pour bien te donner envie de continuer à acheter. Donc voilà, c'est un site que je recommande franchement. Et c'est hyper rapide, je trouve. Après, moi je suis en Belgique et je pense que c'est un site, c'est pas un site français. Du coup, je ne paye pas de frais de port. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que quand je commande sur des sites français, ben, j'ai généralement 5 € ou voire peut-être plus de frais de port et ça fait un peu mal au derrière comme on dit.
Donc voilà, j'ai hâte de tester et je pense que je ferai un retour soit sur Insta, soit une petite vidéo sur YouTube, je sais pas, mais en tout cas sur Instagram. Voilà, pour ceux qui veulent me suivre sur Insta, c'est juste là. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page, n'hésitez pas à vous abonner à YouTube. Si vous avez des marques que je connais pas et que vous voulez tester, je peux essayer de les tester. Dites-moi en commentaire ou dites-moi sur mon Instagram. Voilà, je pense que c'est tout. Du coup, pour le total, j'en ai pour 66,84 € et je trouve que c'est pas cher du tout. Voilà, jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos poilus. Salut!